Evans va prendre Ultra 2. Au moins pour avoir une arme. Voilà, il prend Ultra 2 pour avoir une arme dissuasive contre les Daifi qui a la relever parce qu'il faut pas non plus que ça soit la fête. Donc voilà, il sacrifie Ultra 1 qui passe quand même assez rarement. Allez, c'est pour parti. Ultra 2. Allez, c'est parti. Femme de palme. Saut vertical. Il très bien. C'est les dangers. Il ouvre la garde. Le palme. Avec un palme. Allez, ça se regarde. Comme on a dit, c'est très bon dans le main game. Voilà, bah MK Mantis. Allez, c'est Fenon qui est au coin. Là. C'est énorme quand même de mettre Fenon au coin comme ça. Ouais. LK Mantis à nouveau. Enchaînement de light c'est dans la garde. BMK Mantis palme HP. HK qui a whiffé à cause du backdash. Il a super mal. Evans a super mal là. Il lui manque Evans, 3 quarts de vie. Palme à nouveau. Ah, c'est dommage. Pas un Reka. Dommage, il ne confirme pas ses Reka. Ah, le gros point, c'est joli ça. Il reprend petit à petit là. Ex Mantis. Il confirme pas. Alors que joli là. C'est une belle remontée ça de Evans ça. C'est une belle remontée là, ils ont 3 barres tous les deux, ils ont l'ultra. Ouh, allez, Evans coupe la garde, allez. LK, c'est pas terminé. Allez, c'est pas mal ça. Et voilà, premier round pour Evans. Joué de la part d'Evans. Ayun qui sait là, il sait qu'il a loupé le ex-Montis qui avait fini le match. Ouais. Ex-Montis qui l'a pas confirmé. On sait même pas s'il a vraiment voulu tenter une shot. Allez, Ayun qui est pas content là. Il nous ouvre directement avec un dive kick. Il se reprend ses 3 Reka derrière ça. Allez, sa zone, cette fois c'est Evans qui a l'espace. Voilà, Evans qui fait 2 Reka. Ayun dans le coin. Allez, voilà le bulldozer d'Evans, le félon. Le Reka, les Mantis x2. Saving dash cancel. Allez, Reka Mantis. Et le cancel, Ultra 2, normal. Ultra 2. Ça fait pas très très mal, heureusement. Ça fait pas très mal, mais c'est juste pour reprendre à l'avantage à la barre de vie, sûrement. Et encore, il ne l'a pas. Ah, si, là. Allez, on a quand même Evans avec une super, là. Faut qu'il nous trouve une ouverture, là. Mais le BMK, bas gros point, voilà. Redonne l'avantage donc à Eva. Super, c'est fini. Il repère à nouveau à cause des mantés. Voilà. Il le reprend avec ce saut HK. Il fait mal, Fion, quand même, hein, par rapport à la vision. Reka qui a coupé, c'est gardé. Les mantis. Allez, le redemande derrière. Allez, hey. Le dragon. Il reset. Un joli combo de la part d'Alioun. Les mantis. Evans qui le balance. Pas un dragon. Allez, dommage ça. Allez, Evans qui peut le faire. Le Reka. Evans qui peut le faire, qui a égalité, qui a 4 barres. L'autre, il en a qu'une. Il a l'ultra 2 chargé à fond. Il n'a plus d'ultra. Ayun qui est quand même globalement mal. HP en anti-saut, bien joué. Ce HP entier. Alors le HP de Yang est complètement craqué, il est magnifique. Il va loin, il est actif 1h30. Ouais, il fait 400 de dégâts et il est anti-air, anti-sol, anti-haut, anti-tout. C'est la fête. Allez, le devant derrière, bien gardé par Evans. Je sais pas comment il a vu ça. Pour Ayun qui a été vu. Hein. La part d'Evans, Evans qui saute. Evans qui. Ouais, Evans. Ayun qui finit pas les sauts d'Evans. Ça fait 2-3 fois que. Voilà, l'avantage au niveau de la vie là. Allez, joli, l'avantage de la part d'Ayun. Allez, allez, voilà, c'est bon ça. Allez, l'avantage, il a l'avantage positionnel, il a l'avantage sur la map. Il a l'avantage au bar, il arrive pas à les utiliser ces barres. Ayun est super safe, il joue super safe depuis tout à l'heure. Reka, allez, 3 Reka, c'est bon ça. C'est bien trouvé ça, la palme qui fait trade. Palme qui trade. Allez, le saut HP. Allez, Ayun qui repousse. Ayun qui est en difficulté globalement. Ouh, là, c'est un très très gros match. Allez, Ayun qui travaille au Mantis. Voilà, Mantis. Agression au Mantis. Allez, il lui remet l'ultra et là je pense que c'est fini. Là, que c'est terminé. C'est hein. Fini. Voilà, 1-0 pour Ayun. Alors, ça, ce qui est super choquant quand même, c'est que le match était vraiment serré. Ouais. Mais Evans a eu ses 4 barres pendant les 3 rounds. Et il n'en a pas utilisé, même pas une seule quoi. On l'a même pas vu pouvoir avoir l'opportunité de caler une super, ni l'opportunité de caler un dragon parce qu'à chaque relevé à lui, il était à la distance syndicale. Donc impossible. Donc grosse défense d'Ayun du coup. Allez, l'enchaînement de allez, c'est Reka, bon là, c'est très, bon très pour Evans. Evans. Le dragon, voilà, là, trop gourmand. Entrée sur la relevée. Trop gourmand. Le HK. Allez, joli zoning là, joli zoning d'Evans. Joli ça. Voilà. Il va nous mettre un round assez franc. Voilà. Bien joué. Voilà. Franc de la part d'Evans. 2 barres à son avantage, pratiquement 3 alors qu'Ayun en a 2. Il est très bien Evans. Allez, Ayun qui travaille au Mantis, qui a 2 barres. Décalage sur le passif par Evans. Le dragon, joli, c'était osé, il fallait le faire. Hein, ouais. Fallait le tenter. Kick, voilà, allez, 3 Mantis, tu ne peux pas faire 2 Reka contre Ayun, ça ne marche pas. Il y a le BMK qui sort assez vite. Ouh là là, le BHP, le MK à nouveau. Voilà, joli le dive par-dessus le BHP. Voilà. Allez, le devant derrière, ça va être derrière voilà. Avec pas gros point. Fin de palme, le TNT qui passe pas. La TP, magnifique, ça c'est magnifique. Mantis. C'est magnifique, et c'est énorme. Le dragon. C'est énorme parce que Evans en plus a vu la phase. Il a dû la manger cette semaine sur le live. Je pense. Il l'a vu et à part, malgré ça, Ayun a gardé le pressing. Il est
retourné dessus, il a remis une XTP, il a repuni le dragon, enfin c'était énorme. Allez, les Mantis d'entrée de match. Allez, fait long. Bah voilà, Evans qui a encore ses 4 barres là, il faut qu'il en fasse quelque chose, il faut qu'il trouve un moyen de le zoner. Il sait très bien que de toute façon, BMK va se faire punir par un petit dive, par ras du sol, donc il peut pas. C'est compliqué, c'est super compliqué. Ayum qui joue super bien là. Il pourrait sur BMP, quand c'est avec la super. Allez, le saut HK qui a touché. Et le BMP aussi, mais. Voilà, les Mantis. Il va se prendre de devant derrière, derrière, c'est bien puni. C'est bien paré. C'est bien paré, c'est puni par Evans. Ouh, dive kick cross-up, bien joué de la part de d'Alyun. Voilà, le Mantis. Voilà, c'est propre, c'est super propre de la part d'Alyun qui prend toujours la distance parfaite. Pour toucher à la palme, pour toucher au BMK. Allez, voilà, Evans avec. En insécurité. Allez, la suite. Allez, le dragon prend sa gueule. Voilà, c'est pas en intégralité, mais c'est quand même super mal. Allez, la shop, et là c'est bientôt fini pour Evans. Faut absolument qu'il trouve. Allez, faut qu'il utilise ses barres. Il fasse quelque chose là, c'est le dragon là, c'est maintenant là. Avec Mantis, il aurait pu continuer. Et ah, là, c'est bien joué de la part d'Alyun. Il prend la distance parfaite. Voilà, c'est énorme. Donc, GG 2-0 pour Alyun, tranquillement en winner.